Grosse frayeur pour les admirateurs de Charles Aznavour. Selon les informations du site de BFM TV, le chanteur de 93 ans aurait chuté assez lourdement au sol ce samedi 12 mai dans la matinée. L'artiste était à son domicile de Mouriès dans les Bouches-du-Rhône quand il serait tombé. Une lourde chute qui aurait nécessité une hospitalisation en urgence à Nîmes après l'intervention des pompiers et du SAMU. Il souffrirait d'une fracture au bras, à l'humérus, d'après les informations de BFM TV, qui écrit que son pronostic vital n'est pas engagé. Charles Aznavour est loin d'en être à son premier pépin de santé. Il y a quelques semaines à peine, fin avril, il était contraint d'annuler un concert à Saint-Pétersbourg en Russie à cause d'un tour de rein dont il avait été victime en pleine répétition. Le concert en question avait alors été décalé à avril 2019. Car les adieux, il les veut le plus tard possible. « Je ne suis pas vieux, je suis âgé, ce n'est pas pareil », avait-il déclaré en novembre dernier. Il compte bien fêter ses 100 ans sur scène le 22 mai 2024.